Coucou. Je reviens en fait pour vous parler des. Je reviens. J'aime pas en fait. J'ai pas trouvé mon truc pour te présenter. C'est compliqué quand on n'est pas à l'aise en public. J'aimerais avoir l'aisance de Masso qui est d'un naturel assez incroyable. C'est bien ça. Je suis devant vous, là, pour vous parler des bijoux que j'ai reçus, cette petite lanterne qui est bien, bien, bien solide. J'ai dormi avec, je me lave, j'avais peur de la perdre dans mon lit parce que c'est vraiment hyper fin. Et là, pareil, hein, j'ai toujours ce. Et elle accroche pas, enfin, c'est vraiment. C'est un petit bonheur ce bijou. Bref, je reviens vers vous parce que certaines personnes m'ont demandé si j'allais en faire en argent. Alors, j'ai la possibilité effectivement de les faire. Alors, pour l'instant, je vais essayer de liquider d'abord le premier stock. Je peux les refaire faire quand je veux. J'ai aussi la possibilité de faire la lanterne en grosse médaille, comme ça. Enfin, bon, c'est peut-être un peu gros, mais bon, il y a des idées et il y a l'idée aussi de les faire en boucle d'oreille parce que ça peut être assez joli en acier chirurgical comme ça. Donc, ce n'est pas un or vieilli, hein, c'est un or jaune, bien, bien jaune que j'aime beaucoup, beaucoup, de la couleur du doré des 77. Et voilà, on m'a posé cette question. Alors, pour tout vous dire, je vais vous dire exactement combien j'en ai. J'ai une soixantaine de chaque. Voilà, j'en ai pas commandé énormément. Pour moi, je me suis dit, de toute façon, il y aura toujours un moment où vous aurez peut-être envie de l'offrir ou de vous l'offrir pour la fête des mères. La fête des pères, peut-être. Pas, enfin, il y en a qui me l'ont demandé, hein. Des hommes m'ont demandé le collier, parce que c'est vrai que le bracelet est très fin, et beaucoup trop fin à mon avis pour les hommes. Mais en revanche, c'est vrai que ça serait sympa du coup en argent, enfin en acier chirurgical blanc. Ça fait un peu or, quoi, or blanc, ouais, c'est ce que je voulais dire. Donc oui, j'ai la possibilité de le faire. Maintenant, peut-être. Il me faudrait suffisamment de commandes en blanc pour parce qu'il m'en faut au minimum 60. Voilà, c'est le quota demandé pour les faire fabriquer. Voilà, donc il y aura la possibilité de faire des boucles d'oreilles un peu plus cher, bien sûr, puisque c'est ce qu'il m'expliquait. Il y aurait deux petites lanternes comme ça. Alors, je ne sais pas de quelle grosseur on prendrait peut-être celle-ci qui serait plus. Avec un. Moi, je voulais le faire sur un anneau. Vous voyez, comme si on portait un petit anneau. Et je trouvais ça plutôt sympa comme idée. Voilà. Pour la parure, donc le collier est à 33 euros. Le bracelet à 22. La parure à 55. J'aime bien les chiffres qui se répètent. Pour moi, c'est un joli repère. Et voilà, ça c'était pour les bijoux. Vous allez sur l'adresse alias.gmail.com et je vous fais parvenir la procédure pour commander. Donc Noël, anniversaire, fête des mères, enfin, Faites des pères, faites des enfants. Je sais, ils vous font des cadeaux. Bon, c'était un petit joke. Deuxième chose, on m'a demandé également si je vendais mon cahier. Voilà. Ce cahier, je l'ai fait pas du tout, je l'ai fait pour moi au départ, parce que je pense qu'il est bien de noter. Alors, déjà, vous voyez, il brille. Et ça, là, ça laisse des traces de doigts. Donc c'est pour ça que j'ai pas osé le refaire. J'ai d'autres idées derrière tout ça, bien sûr. Ça fuse toujours, mais j'ai pas toujours le temps de tout faire. Et donc on m'a demandé si je les vendais. Alors si vous en voulez, eh bien je les commanderai. Je peux en commander.
Ils sont tout simples, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste des cahiers que j'aime bien parce que voilà, ils sont avec des lignes comme ça. Bah, ça c'est un petit cadeau. Donc voilà. Et puis derrière, il y a simplement l'adresse mail avec le signe de l'abondance, bien sûr, de l'infini, quoi. Des infinies possibilités. Voilà, et on m'a demandé. Donc, si je le vendais, eh bien, je pense que je le vendrais autour de 15 euros parce que je le fais faire d'un côté, puis s'il faut que je l'envoie, que je le reçoive. Enfin, vous savez pas ce que c'est que de faire des expéditions, je peux vous assurer que je passe ma journée. Bon, je vais pas me plaindre, hein, les 77 ont un tel succès que. C'est une belle aventure que nous vivons ensemble parce que je le sens, les gens se l'attribuent vraiment du fait qu'il n'y ait pas trop d'explications, de désignations sur les cartes. Et moi, j'adore vous écouter, j'adore vous lire. J'adore votre interprétation parce que je peux tout entendre, je peux tout englober parce que toutes les possibilités, je vous l'ai dit déjà, toutes les possibilités sont acceptables, hein, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que la vue de chacun est juste. On n'a juste pas le même ressenti. Et c'est normal. C'est pour ça que je dis bien sur le jeu, l'oracle, enfin, se fera votre propre vision. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Puis si je dois vous dire d'autres choses, et ben. Mais en tous les cas, mettez-moi des commentaires à savoir si ça vous brancherait d'avoir les boucles d'oreilles en acier chirurgical blanc ou le bracelet en blanc ou. Voilà. Pour l'instant, j'essaye de liquider déjà ça, la première partie, et puis on verra ensuite. J'ai quelques petites commandes et on verra comment ça se passera. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.